Remémorule. Vas-y, je t'ai dit. Bonsoir. Ah, c'est quoi cette intro? Bonsoir tout le monde. Gypsy est avec nous, mesdames et messieurs. Le monde à l'envers. Tranquille. Léopold. Tranquille. Ça va? La question est la suivante. Où est David? Ah putain, je me demande de ouf. Je sais pas, moi. Asseyez-vous pour l'intro, pour le savoir. Venez, on s'assoit tous. Non, il va mourir aussi. J'étais là. Ah mais non. Il était caché. Eh, mais arrêtez. Comment? Il m'a détruit avec le mobilier de jardin, c'est des scouts. Bonsoir, au menu. C'est quoi ça? Au menu. C'est trop bien, on a prévu de la place pour tout le monde. Au menu. Oh non, mais c'est... Empêchez-moi là. Non. Au menu de cette vidéo, parce qu'il y a une vanne après. Au menu de cette vidéo, bah, je vous propose des œufs mayonnaise en entrée ou alors une petite salade de crevettes. Le principe de cette vidéo est le suivant. Ce monde a réouvert, on a retrouvé un petit peu nos amis, le plaisir de faire des soirées et on va vous proposer des jeux pour passer là où les meilleures soirées de votre vie. Des jeux simples que vous pouvez refaire chez vous très facilement et on va les essayer et à mon avis ça va être épique. Prenez cette vidéo comme une inspiration maximale pour kiffer une soirée avec pas tellement d'objets. Faut préparer un petit peu à l'avance, mais normalement c'est des choses qui sont faisables chez vous avec les petits trucs que vous avez autour de vous, comme par exemple des lingots d'or. Moi j'ai chez moi, tout le monde a ça chez soi. N'importe quoi, mais non, absolument pas. Non, mais justement, le but c'est de vous amuser le plus possible dans cette sortie de situation sanitaire très pressurisante. Vida, tu as trouvé des jeux sur Instagram. Vous avez Instagram, vous? C'est l'oiseau qui, quand tu likes. Je me baladais sur Instagram et souvent dans la catégorie, tu sais, avec la petite loupe là, vous voyez, la petite loupe. Spotlight. On m'a proposé plein de trucs. Et comme je suis beaucoup d'hommes musclés, il y a des hommes musclés, mais il y a aussi des petits jeux rigolos. Des petits jeux rigolos qui nous ont donné des idées. On va reproduire ces jeux ici. Avant de pleurer de rire, peut-être chacun peut dire un petit truc triste qui nous est arrivé. J'ai eu récemment des hémorroïdes qui m'ont littéralement flingué le cul. On va pas se mentir. Quand j'allais aux toilettes, en fait, ça. C'est comme si j'avais une boule de billard qui était coincée à la sortie de mon anus. Et du coup, quand ça a expulsé, bah, ça, la mer se coinçait derrière la boule. Et quand c'est pas drôle, en fait. Hein. C'est, mec, on doit livrer un truc triste. On doit livrer un truc très triste. Et quand je chiais, du coup, ça s'expulsait vraiment comme un geyser. Quoi. Bah, Val et moi, on n'a pas eu l'argent pour notre film. En même temps, un demi-million d'euros. c'est une somme énorme. J'ai très, 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 très peur de mourir d'un AVC, d'une crise cardiaque, chaque soir, quasiment. Et du coup, moi qui prône cette espèce d'enthousiasme que vous connaissez, qui est vrai avec toi, chaque soir depuis un ou deux ans, je suis au bord de la crise d'angoisse. Oh putain, faut qu'on en parle de ça. Je savais pas. T'as peur de la mort? Oui. Du coup, moi aussi. Est-ce que c'est ta plus grosse peur au monde? Ouais, mais nous tous, non? Non, il y a des gens, ils s'en battent les couilles. Ah ouais? Moi, ça m'effraie. Mais moi, j'ai peur de cette mort immédiate due à rien, genre... Ah oui. J'ai une irritation des couilles vraiment assez énorme. Mmh. Et c'est très chiant, je dois m'huiler. Je dois moindre les testicules d'huile régulièrement et c'est assez chiant. Putain, on est pas du tout ensemble. Non, pas du tout, pas du tout. C'est relou pour toi. Je suis solo là-dessus. Moi, il y a 5-6 mois, accident de voiture, 2 cousines mortes. C'est vrai? Oui. Non, mais en même temps, pourquoi t'as lancé ça? On a dit triste. Des fois, je me fais démonétiser aussi, ça, c'est... Ah, voilà, il se fait démonétiser. Oh, wow. Il se fait démonétiser des vidéos, là. Regardez ce joli mobilier de jardin, on en parlait. C'est grâce à Cdiscount qu'on peut faire cette vidéo. Vous vous dites, tiens, j'ai un petit extérieur. Je sais pas comment le rendre joli. Ouais. Sur Cdiscount, vous avez tout ce qu'il faut pour regarder le rendre joli et cosy. Est-ce qu'on a besoin de vous rappeler que Cdiscount, c'est nos partenaires de cœur? On ne les présente plus. Rappelez-vous Mario Kart, rappelez-vous aussi ta salle gaming, là, qui est magnifique. Absolument, c'est eux. Ils nous accompagnent régulièrement. D'ailleurs, gros big up à Aurore. Et là, ils nous aident à sponsoriser cette vidéo, car vous allez voir, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'amusement. Et toutes les infos sont dans la description, vous connaissez évidemment la tradition. Allez voir, ce sont de très bons partenaires. On va commencer cette vidéo tout simplement. Si j'attrape un bonbon rouge, je suis meilleur que vous. Vous êtes tous des nullos. Arrête, ça se fait pas. C'est rose. Oh, c'est pas de bol. Vous allez voir dans les jeux d'aujourd'hui, parfois on devrait être en équipe, parfois en individuel. Je mais propose. Moi, je suis excité comme une putain de global qui est quand même deux équipes de trois. Jesse McFly Carlito contre Jenny Val Léopold. Ah non. Un peu déçu, mais... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour cette introduction? Il y a quelque chose, Val? Oh, c'est trop cute, ça. Allez, les enfants, on fait un petit sourire. Pour papa, la famille. Un demi-million. C'est parti pour les meilleurs jeux de soirée de l'histoire avec nous. Bon, alors, stop, pause. Oui. Du coup, je suis un des monteurs de la vidéo. Vous me connaissez sûrement pour ça, là.
Et en fait, je vais expliquer les règles de chaque jeu à chaque fois. Donc, j'espère qu'on va bien s'entendre tous les 7 millions. Ok, c'est assez simple. En fait, il y a des ballons et il y a un gobelet. Ah oui, je l'ai, c'est bon. Il faut gonfler les ballons à l'aide de la bouche, et c'est tout. Et expulser l'air qu'il y a dans le ballon pour faire faire une mouvance du gobelet dans le trou de la fin de la table pour gagner un point. Ah, les gagnants, ils remportent les cils des perdants. Ça, les cils, le poil de l'œil. Bisous. Bonne chance, mon copain. Ah oui. Rappelle-toi les scores d'apnée que tu fais. Mais oui, voilà. Ah, c'est vrai, ça. Le problème, c'est que si je mets du temps à gonfler, à mettre beaucoup d'air, lui, peut-être s'il en met moins, il fera avant. Oui, mais sauf que t'as du cardio aussi, donc c'est bien. Mm. Là, normalement, tu gagnes. Il y a deux techniques à avoir. Je sais pas laquelle. Normalement, celui-là, tu gagnes. Allez, go! Allez, ça c'est pour toi. Oh oui! Vas-y, mon garde, voilà! Ça c'est bien! Lâche pas! Il a la technique! C'est gagné! C'est oui! Mais c'est que. Merde, il se cuit! Mais il va se cuit sur le truc! Non! Bon. Mec, j'ai vu ta technique, elle est super ta technique. Ouais, je dis pas, il faut pas vite. Alors la morale de cette vidéo, amusez-vous les amis. Arrêtez-moi avant que ça touche mes doigts. Mais vous peut-être que maintenant on gagne le chanteur style. Ah, ça grossit, ça grandit. Ce jeu, vous noterez, chers amis, est quand même très facile à reproduire chez vous. C'est-à-dire que les néons ne sont pas... Je m'évanouis. Attention, il faut lui faire un massage cardiaque. D'abord, vous mettez les doigts comme ça sur vos yeux. Vous devez commencer comme ça. Vas-y. Oh non, c'est fini. Non, elle a bloqué avec son bide. Elle a bloqué avec son bide. Oh non. Hop là. Oh non. J'ai même pas gonflé un peu. C'était expéditif. Regardez, premier degré, Valentin qui va gonfler. Valentin, c'est l'anniversaire de ton fils. C'est le moment de lui gonfler des ballons. Vas-y. J'y arrive pas, mon fils. Quoi? J'y arrive pas. C'est pas une vanne, j'y arrive pas. Non, mais arrête. Ça me fait mal. C'est un cartoon. Putain, ce gars. Les gars, mon équipe. Mon équipe. Bon bah bravo à nous. Bon bah bravo les gars. Fin du jeu. Avant de passer au jeu suivant, donnez-nous vos cils. Ah oui, vous donnez mes cils. Oh ouais, t'en as trois mec. Mais trois, t'as la lèvre ou quoi ça? il se décompose. Tiens, un peu trop moi aussi. Mais non. C'est incroyable. Le gain, c'est d'arracher des choses de soi. C'est incroyable. D'ailleurs, on peut remercier Dr. Nozman qui nous explique maintenant à quoi sert un cil. Effectivement, ce petit truc est super pratique. Les cils ont plusieurs fonctions, mais qui se regroupent. La protection. Protection des rayons du soleil, d'une part, ça filtre un peu. Mais aussi et surtout, protection de toutes les impuretés qui pourraient rentrer dans l'œil. Déchets, poussière, sueur, câble Ethernet, bref, tout ce qui pourrait rentrer dans l'œil. Super pratique, en fait. Allez, salut. Ah oui, alors le jeu suivant, c'est un morpion, où il y a des croix et des ronds, comme la plupart des morpions. Là, où il y a toute la subtilité du jeu, pour pouvoir poser un rond ou une croix, il faut d'abord faire un bottle flip, vous vous souvenez quand on lançait les bouteilles là, et qu'elles retombaient, pam, droit sur un piquet. Et du coup, quand t'arrives à faire le bottle flip challenge, tu prends ton petit croix, ton petit rond, et hop, tu poses sur le machin pour faire des lignes et c'est gagné. Du coup, c'est un jeu en un 2 en 1. Les gars, qui prend les croix, qui prend les ronds? On prend les croix. Elle est complètement surexposée. Je me suis trompé dans mes réglages. C'est ça ta faute de merde que t'as fait au début? Il a pas bien fait les réglages. Vous prenez les croix en ligne, nous prenons les ronds. Ce sont des gourdes en plastique réutilisables. C'est pour ça qu'on a pris ça. Ce qui est important dans ce que dit David, c'est qu'effectivement, on n'est pas encore parfait, c'est sûr, mais qui l'est ici? Par contre, on est en transition écologique. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir l'humilité de dire je fais des efforts. C'est pas. Ok les gars, on y va. Let's go. Oh non. Mec, ça c'est fou. Vas-y mon frère. Oh là là, vas-y. Vas-y, soupèse. Ah merde. Aïe 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 aïe. Non, mais je suis nul à chier. Ouais, presque. J'aurais presque. Oh, c'est le meilleur jeu de l'histoire, frère. Ah, vas-y, c'est trop lent, je suis trop lent. Ah, c'est mieux que le sexe. Allez, prends ton temps. Oui. Oh, mon frère, c'est fou ça. Alors, on va gagner là. Tu sais non, mais non. Prends ton temps. Tu mets aucun effort. Allez, voilà. Prends ton temps, frère, on a gagné. C'est merde. Ah, dommage. Ah, oui. Ah non. Attention, le prochain. Oui. Ça, c'est mon gars. Allez, ça, c'est mon gars.
Pas de blabla, tout de suite le quatrième jeu. Alors ici, c'est une sorte de parcours. C'est comme un peu un twister, mais où il faut avancer. Et en gros, il faut mettre les bons pieds et les bonnes mains sur les papiers en correspondance du papier qui correspond. Celui ou celle qui va le plus vite, bah, c'est lui ou celle qui gagne. Si vous loupez, et bah, vous recommencez depuis le début. Et c'est pour ça que c'est perspicace. Putain, mais déjà, le 1, je peux pas le faire physiquement. Ah oui? Il est très dur. Oh, c'est dingue. Oh là, purin, c'était dur. Ok. Oh là là! C'est très simple. Oh là! Oh non, j'ai raté le dernier, merde! Oh non! Non, j'ai raté le dernier, mec, je te jure! C'est pas si évident! Oh, c'est dur! Ah ouais? Ah ouais, je te jure! Vrai. Quand tu veux essayer d'aller vite, c'est dur! Et là, faut pas être bon. Mais comment c'est possible? Ok, je l'ai. Terminé, combien j'ai fait? 21 secondes à battre, les gars, bon courage à vous, ça va faire mal, ça! Go! Mon deuxième! Mon deuxième! Mais dépêche-toi, il y a ton chrono! C'est bien plus dur que ce que j'imaginais! Mais oui, mais oui! Ah non, mais c'est quoi? Oh! Oh, joli! Oh, il s'est rattrapé sur la fin! 19! Oh là 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 là! Je passe en premier. Oh là là, vous m'avez mis une presse en deux secondes! On est fort! Quand tu te rends compte, quand tu te rends compte du truc. Non mais non. Allez, allez. Il a aucune envie de le faire ça. Allez, c'est bon. Allez. Non. Si c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, 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 oui. Oh joli. Joli. 27. Hey, comme les. Pourquoi je meurs? Pourquoi je meurs? Comme des 27. Oh la vache, j'ai pas la rêve. Oui. Mais non, mais. C'est deuxième! On peut le faire en même temps! C'est dingue, hein! C'est deuxième, il est incroyable! Eh, mais j'étais. Le chrono. J'étais vraiment. Allez, go, go, go! Allez, allez! Non, non! T'as vu? Allez, tiens, il y a le compteur qui tourne! Ah merde! Excusez-moi! Non, mais c'est en même temps qu'il y a le chrono! Oui, oui, bon. Mais non! Non, non! Tiens, il y a deux pieds, tu as mis les mains! Non, en même temps! En même temps! En même temps. Oui. 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 Oh non, non. 3 fois défilé. On est à 11 minutes de chrono. C'est techniquement impossible. Allez, vas-y. Oui. Oui. Ouais. 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 Elle me rend dingue. Mais c'est pas celle-là. Il y a un problème de grand moteur, c'est clair. C'est pas lui. Non. Calme-moi, il y a pas. C'est déjà. Oui. 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 Ah, c'est beau. Jenny. 1 minute 33. Bravo. Jenny, on t'aime. Eh, avant de santé en tout cas. Non mais non, bah non, pas du tout. Mais non. Quoi? Il y a vraiment de l'eau. Ouais, non, pour ça c'est n'importe quoi. Ah pardon. Ok, ah. Non, ouais, non, non, non. Concentre-toi. Concentre-toi. Il est vraiment à l'envers du monde. Oui. 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 Oh. Oui. Oh. Le cerveau. Attention, c'est peut-être le meilleur score. 12. Quel monstre. Gilou, faut que tu le battes. Oui. Le deuxième est compliqué, hein, c'est vrai. Le deuxième est incroyable. Non, non, c'est pas la bonne main, c'est pas la bonne main. C'est mais pas moi, la bonne je suis un peu... Let's go, let's go. On a perdu. On a perdu. Tac. Non, mais... Là, c'est pas la bonne main. C'est la main là, gauche. Ah, il y a un rythme de... Et là, c'est les mains, c'est les mains. C'est les mains, là. Voilà, tac, tac. Oui. Voilà, bravo. Mais c'est trop dur. C'est très dur. 48, 48 bravo. Secondes. Valentin, c'est toi qui as permis à ton équipe de gagner. Bravo Valentin. À vos cils. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah oui. J'avais oublié. On passe à la caisse. Il prend les pires. Allez. Ce jeu en soirée vous demande un petit rouleau de scotch, quelques feuilles, vous dessinez dessus des pieds et des mains, ça va très vite et vous rigolez. Rigolote garantie. Bah, musique de cire. Oh, oh. Facile. Ok, à moi de jouer. Musique de métal. Oh. Ah oui, oui, oui. Oh. Oh. Regardez les gars, surtout là. Ah. Regardez ce qui se passe, les gars. Pas de musique.
Une musique non libre de droit qui va faire démonétiser la vidéo. Non. Ok, alors celui-là, il y a un papier toilette, un papier de toilette, je sais plus comment on dit, un PQ, voilà, un rouleau de PQ. Le but est de rembobiner le PQ pour attirer vers soi le verre rempli d'eau. Si le verre se renverse, le PQ va se retrouver imbibé d'eau. En tirant dessus, le papier va donc se déchirer. Le verre sera donc face à un plat. Et c'est là que bah, vous vous retrouvez à bouffer des trucs pas très jojo, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Les plats sont classés du plus dégueu au meilleur. Donc ça va de la croquette pour chien jusqu'aux donuts. En passant par les piments, les œufs et autres aliments de type solidaire. Vous n'avez qu'une minute. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on invite le monde à l'envers, que ce soit sur Good Morning YouTube ou sur Harry Potter... Gratin d'ongles. Ah putain. On doit bouffer des trucs dégueux. Non, pourquoi? Parce on n'a même pas fait exprès. Caméra, et sachant que je suis très heureux, je veux atteindre ça. Car j'ai une folie du marron suisse. Je sais pas si en commentaire vous êtes là. Oui. Vous avez le marron bien suisse? Bien sûr, je suis fan. C'est hyper sous-coté le marron suisse, les gars. On va guetter vos stories, les amis. On va voir si vous reproduisez ces joues. Reproduisez des joues, c'est bon. Avant de commencer, j'aimerais que Charlie Danger nous dise la date de création du PQ. 1891. Let's go. Allez, mon Carl, une minute, c'est parti pour toi. Vas-y, tout loulou, doucement aux à-coups. Allez, vas-y, 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 c'est bien. Croquettes. Il est sûr de lui, c'est bon. Okay, attention aux à-coups. Attention aux à-coups. Allez, 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 mon pote, 30 secondes, 30 secondes. Tu peux accélérer. C'est l'arbitre. C'est beau ce qui se passe, c'est un champion. C'est un champion. Les bandes de cire, les bandes de cire. 45 secondes. Allez, 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 15 secondes, frérot, frérot, accélère, accélère, tu peux attendre le cheesecake. Oh là 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 là, t'es trop fort. C'est le champion. On a un champion de la catégorie. Ils font horrible. On a un champion de la cadelle. Oui. C'est oui, c'est oui. Oh, bravo. Laisse-moi le marron suisse, je t'en supplie. Oh, le bon donut. Oh, pardon. Oh là là, le gage. Oh là là. Est-ce que tous les participants seront aussi bons? Je ne crois pas, car c'est un dieu vivant, regardez-le. Dieu vivant, non, mais c'est vrai qu'en termes d'humain, bon, je dirais pas. Évidemment, ça va avec allez, les défauts. Allez, personnage suivant. Regardez cette arme blanche. C'est incroyable. C'est vrai. Non, non, c'est hyper dangereux. Ah, allez, Doudou. Allez, une minute, mon pote. Vas-y, Toudou pour le début. On fait les pronos, moi je mets sur le piment. Léopold, il n'y a qu'une minute, hein, Doudou. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Attends, c'est pas fini, peut-être. Attends, ouais, essaye. C'est ciao, là. Mais non, t'es optimiste, allez, vas-y, c'est fini. Faut arrêter. Là, c'est les whiskers. Ah, j'y crois encore. Non, c'est pas, je pense que c'est bon, hein. Si je vais très lentement, je peux. Léo, le verre n'avance plus, hein. Lâche. Vas-y, donne-toi. Combien de temps il reste? Combien de temps? Oui, putain, pas de croquettes. Parce qu'il a échoué. Il a échoué. Léo, le verre, il est là-bas encore. Ah merde, putain! C'est immense! C'est vraiment, c'est le seul que je ne peux pas. Une petite croquette, Léo. Et en entière. Fais waf waf. Waf waf. Ça l'a fait rire. Ah, il est fou celui-là. Mettez-le dans une gamme. Allez, Léo. Ah, pété. Non, mais c'est horrible. Je peux pas. Faut c'est un gâteau vraiment. Apéro, c'est un gâteau apéro. Non, c'est un gâteau apéro. Enlève tes doigts. T'as vu si j'avais des bulles. Fais waf waf. Waf waf. Prochain candidat. Allez, David. C'est vrai que go, on dit jamais un vrai go. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, c'est mort. Oh, c'est la croquette. Attends, on est dans un chenil. Qu'est-ce qui se passe? C'est la croquette. Non, c'est toi. Là, t'es bien, David. Koskas. David Koskas. Doucement. Tu es David Koskas. 40 secondes. David Koskas. DavidKoskas.com. Oh là là là. DavidKoskas.com. Mais tu sais quoi? Mets-toi dans la peau d'un chien, un youyouk. Voilà, oui. Et regarde même, regarde, hop, non, il est là. Allez, oui, voilà. Ah, allez, David, t'as sniffé. Voilà, oui. T'as sniffé, oui, c'est rien pour toi, ça. Ah ouais? Oh, voilà. Oui, bah oui, voilà. Mais pourquoi ils réagissent tous comme ça, ça? C'est vrai que c'est à chaque fois là. Ils vont tous là-bas. Il y a un évier, il y a une poubelle, il y a plein de trucs, ils se mortissent dans les... Pourquoi la bouffe pour chien a le goût du chien? Ça a l'odeur du chien, t'as pas senti? Ça me rappelle dans les antidotes qu'on fait pour les poisons, il y a un peu du poison dans l'antidote. J'ai une analyse. La nourriture pour humains est meilleure pour les humains. Mais vous donnez des infos évitantes depuis tout à l'heure. Mais les chiens, ils mangent de l'as animaux. Oh la phrase. Les chiens, ils mangent de l'as animaux. Troisième round. Bam. Oh là là, il est bien. Très, très bien. Tu vas pas avoir les conquêtes, d'accord? Allez. C'est ton moment, Val. Allez, c'est bien ce que tu fais, c'est joli. Tu vas passer les conquêtes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le coup d'Axel. Oh!
Il te reste 15 secondes, Doudou. Tout part d'ici. Oh, il est peut-être là le record. Il est là le record. Il va gagner. C'est énorme qui est en train de se passer. C'est incroyable. On est un champion. On est un champion du monde. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Mais non, tu l'as, Oh la chance, une petite pizza à l'ananas. C'est pas si pire, elle est froide par contre. Je déteste le fromage et l'ananas, bon appétit. C'est très bon, c'est du petit fruit. C'est allez, du petit fruit. Et voilà, regardez, il gère. Non. Ah, je vais rigoler. C'est fou, c'est fou, ils font tous pareil. Allez, go. Allez, Madeleine. Allez, Madeleine. Allez, Jen, c'est bien. T'as passé les crottes. Allez, allez, arrive. Allez. Je fais le ralenti de Jen. Y'a rien qu'elle aime plus que les piments. Elle adore les piments. Jenny Jen, vas-y. Jenny Jen, vas-y. Tout le monde avec moi. Jenny Jen, vas-y. J'en ai jamais pris. Jenny Jen, vas-y. C'est vraiment. Jacques. Allez croque. Non, déjà. Il fait mal vraiment. Oh non. Ah ouais. C'est lequel? Attendez, je vais vérifier parce que en vrai, je suis un peu fan de piments. Je vais vous dire. Ah bon, mais tout le monde. Oh putain, sa mère. Ah non, ça rigole pas du tout. Elle peut être mal là. C'est un piment oiseau. Mais elle est aussi partie là-bas, mais ça fout. Oui, mais elle peut être très mal. Ouais, mais gars, vous vous rendez pas compte, c'est très très pimenté. Ah oui, oui, oui. Oui. Vous faites ça, tout le monde le mange. Mais elle l'a pris entièrement en plus. Du lait ou du pain. Non, par contre, c'est hardcore. J'ai pris un petit bouffé. Moi, j'adore, mais vraiment, c'est parce que je suis gros fan. Attends, il faut qu'elle mange du pain. On n'a pas du pain. Allez, chercher le croissant. Croissant, pain au chocolat. Ah, j'ai chaud. C'est vrai? Du lait concentré. Tiens, du lait concentré. Tiens, du lait concentré, c'est ça qui fait. Ah la vache. Oh non. Est-ce que t'en veux un petit peu? Applaudissements pour Jenny Jen qui est quand même. Ah, j'ai mis dans mon œil. Ah mais je suis un con. Mais oui, il a mis du piment dans son œil. Moi je me suis frotté les yeux. On est dans une manif là. Jenny, merci de t'être d'avoir géré. Pas de soucis. Ça a l'air d'aller, gros zoom sur le visage. J'en plus mes lèvres. Gilou. Allez Gil Sius. Go Gil Si. La croquette est passée, c'est passé sur la croquette. Gil Si. Non. Allez Gilou. Allez Gil Si, allez vas-y mon pote. Gil Si Marie. Oh là là. Raph, tu m'as déconcentré. Oh là là. Ta. Allez, tu peux encore la manger. Oh, regarde la conf. La tartine de sel. La tartache. Allez, la tartache des salauds. La tartache. Prends ton temps. Oh là là, il est en train de passer le piment. Oh, putain, beau jeu. Le piment. Alors qu'il y a de l'eau. C'est beau jeu. Allez, attention, dégote pas. Si on a goûté, on va avoir la tronche. Il est passé. Attendez, il jouit. Attendez, les gars, c'est tout ce qui est. 5, 4, 3, 2, 1. Non. On dirait qu'il a attendu la fin du. Oh, oui, c'est super! Le hasard est beau! Oh là là! Alors, ça, c'est une tartine de gros sel. Oh la vache! Sa tartine de gros sel, mon pote, ça va être. Elle la touche même pas avec un bâton! Un gros morceau quand même. Oh bah, il a bien pris. Qu'est-ce que tu fais? What? Quoi? À chaque fois! Bah oui! Il voulait trop aller là-bas, lui aussi! Vous pouvez faire ce jeu chez vous avec autre chose que des trucs à manger. Oui. Ça peut être des gags, ça peut être des gages, ça peut être des bisous, des câlins, des actions, hein, vérité, peu importe. Des gages sexuels? Non, mais. Non, ouais, j'ai essayé de dire un truc, tu sais, parce que. On va laisser ce personnage transitionner pour le jeu suivant. Laissez-le parler. Ta gueule! Ok, vous avez un papier tendu sur lequel vous allez taper de façon perpendiculaire afin qu'il se déchire en deux. Sur ce papier, il y avait un bout de scotch. Si ce bout de scotch se retrouve à gauche en position cochère, vous buvez un smoothie avec des petits goûts bleus, des petits goûts rouges, des petits goûts marrons. Si le scotch se retrouve à droite, vous tire dessus par une balle de paintball. Et moi, je peux vous le dire, si j'avais le choix, ben, je prendrais le smoothie. Mais tout est une question de hasard dans ce jeu. Celui-là, les amis, un poil plus complexe en termes de préparation, il vous faut... Et plus con. Des paintballs, des uniformes, des casques. Et le plus dur à trouver, des smoothies. Ça va être très dur à faire. Mais par contre, vous allez voir, le jeu est très marrant. Qui commence? Moi, je suis chaud pour commencer. En tout cas, on va en voir de toutes les couleurs. Ça va être de manière positive ou négative. Si le scotch tombe là, c'est la bastos. Observe bien, Lisa, t'as le droit d'attendre 2 secondes. Oh oui. Oh, la chenille. Oh, oui. C'est smoothie. Ok, les amis, smoothie, la chance. Attendez, laissez-moi choisir mon smoothie. Le bleu est attrayant. Je choisis celui-là, probablement mangue orange. Il a l'air sûr. Oh, il est délicieux. Vous savez quoi, je veux passer en deuxième. Moi, je me régale. Ah, je vous laisse tenir, tiens, je me régale de mon petit smoothie. Ok, c'est bon. Oh putain, ouais, ça fait un délire. Allez, let's go. Non. Ah, j'adore cette chaîne YouTube.
Ah, j'ai eu peur à rapidité de tir. Remets-moi une là. Non, non, non. Remets-moi une. Vas-y, je te dis. Vous vous rendez compte le nom de ce jeu? Smoothie ou paintball? Je vous ai dit, David et moi, on va guetter les stories vraiment. Si vous faites celui-là, déjà, il y a un vrai disclaimer, donc de avoir ce niveau de protection. Oui, oui, oui. Par contre, il est génial. Alors là, vraiment, envoyez-nous parce qu'il a quand même. Faites ça avec du matériel de pro et un recul suffisant. Ok. 3, 2, 1. Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Oh la vache! Smoothie. Oh là là. Oh, full bastos quand même. Profite doucement de ton petit smoothie. Oh la libération, putain, oui. Genre, je prends le bleu et m'intrigue. C'est sûrement dégueulasse le bleu. Non, non, c'est très bon. C'est tous bon. Regarde comme il est délicieux. C'est le kiwi, ça, ou un truc comme ça. Ah oui, c'est kiwi. C'est incroyable. Oui, c'est magnifique. C'est excellent. On y va ? Fuyez ! Allez, encore ! Il est fou ! Mais non, mais non ! Stop, tire plus ! Mais il s'est fait allumer la gueule. Pourquoi t'as voulu? Il en voulait encore. Mais c'est excitant, je crois que toi t'as voulu. Ça t'excite, mais vous êtes des malades. Ton petit retour sur le fait de tourner des vidéos avec McFly et Carlito. Un pur plaisir. Ok, magnifique, on en voulait pas plus. Allez, Jill. C'est bon? T'es prêt? Vas-y. Allez, mon Dieu. Stop. Oh, vas-y. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ah oui! Mais quelle idée! Ça m'excite un peu! Jiffy? Ça va? Non, 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 c'est pas excitant. C'est pas excitant. Bravo à Jiffy, on applaudit! Bravo, Jiffy! Le niveau de douleur sur 1 à 10? 7000. Regardez! Pour ne pas les vues! Attends, il faut faire un gros bisou. Le bisou! C'est fini, frère, c'est fini. Non, enfin, c'est du tout. J'ai mal de ouf! Je fais des bisous magiques à mon pote. Là, il a mal sur sa joue, là. Mais. Allez, Jenny, à toi. Oh, il y va direct, de son. Non, 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 non. Est-ce que t'arrives à viser ce verre? Écarte-vous, vas-y Lisa! Je rêve d'envie de le faire. Oh, putain, moi aussi j'ai envie de le faire. Incroyable. Oh, incroyable. Oh, 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 je suis cow-boy. J'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, baisse-le, baisse-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? On a bientôt fini. Après, ouais. Il est 6h, hein, ça va? Regardez comme il a tapé, wow. Juste. C'est parti pour le jeu suivant. Le jeu de la bassine. Tout le monde met ses pieds sous la bassine afin de la porter. Donc elle tient en équilibre par-dessus. C'est ce qui s'appelle l'entropie. Chaque participant va enlever une chaussette dans l'ordre des aiguilles d'une montre ou inversement, puisque ce n'est pas une règle qu'il faut suivre à la lettre. Lorsque toutes les chaussettes sont enlevées, on commence à enlever les pieds. Sans pieds, comment la bassine peut-elle tenir? Me voldige? Disons-le moi. Attendez, attends, ça sent la merde. Je suis effrayé. Écoutez-moi, c'est Jenny qui commence et c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Une chaussette chacun. Oh la vache. Allez Jen, enlève une chaussette. Putain, ça fait peur. Attendez, j'ai un paix. Non. Ok, Jenny, Lou est glacial. On le sent à travers le bac, c'est glacial. T'as réussi? C'est bon. Allez Carl, à toi. Garde l'équilibre, JC. Ouais, t'inquiète, tu es bien là. J'ai peur. C'est bon, c'est bon. J'ai peur, quelle idée Jenny? Non, non, y'a personne qui lève, c'est très bien. C'est nickel. Ok, c'est à mon tour. Putain, c'est beau. Ok, une chaussette enlevée, les gars. Allez, deuxième chaussette. C'est très facile. Jenny, à toi. C'est fou. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Bravo. Ok, c'est bon, à moi. Attention, attention, pensez pas trop vers David. Attention. C'est bon. Attention, Jilsi, attention. C'est à moi, là? Arrête, Carl. J'ai plus rien. C'est plus vers moi, Carl. À moi, les gars. Oh putain, non. Attention, David, ça va tomber. Non. Ah putain, j'ai chié moi aussi. Oh putain, non. Mais attends, mais c'est un harem de merde. Arrêtez. Attention, les gars, je vais bien. Attention. Non. C'est bon. Tiens bien. Non. À moi. Non. Oh putain. Ok, maintenant.
Maintenant, attendez, c'est incroyable, bravo, on peut s'applaudir. J'ai mal. Okay. À partir de Jenny, enlever un pied. On enlève un pied. Allez, Jenny, enlève le pied. Oh là, ça va tomber. C'est vers moi. Oh là là, David, arrête de pousser. Appuyez vers moi. Attention à moi. Ok, bravo. C'est bon. Oh, j'ai mal à la cuisse. Ça se voit ce qui se passe. Ça tombe, j'arrive pas à tenir. Attends. Mon orteil. Non, fais pas le con. C'est vers moi. Attendez, Manon. Paniquez pas. J'ai la suite. Excusez-nous, on est en train de jouer avec une bassine. On tourne. Attendez, j'ai un paix, madame. Mais venez jouer avec nous. Allez, changez de pied. On change de pied, chacun on change de pied. J'ai un paix. Elle a dit quoi? Elle est folle! Léo, fais gaffe quand t'as le pied! J'ai plus de prise! J'ai pété, les amis! Ça pue la merde! Allez, enlevez une voix en pied! Quoi? Enlevez un pied! Mais non, mec, on a plus de pied, couillon! On a un pied depuis tout à l'heure, il a enlevé un pied! Écoutez-moi, je me retire! Allez, Jen, tu peux partir, Jen! Jen, tu pars! Jen, on fait Jessie en face! Non! Ça va tomber! Non! Ils sont en train de hurler à côté, ils sont en train de péter. Venez, on finit là-bas. Allez, on rentre, c'est fini. Désolé, madame. T'as tout pris. C'est moi qui suis tout pris sur la gueule. Attendez. T'as vraiment tout. C'était génial, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Alors, on voulait juste pas que ce soit nous qui prenions ça. Ça permet de. T'as fait exprès. Ah, pas de bol, c'est moi qui ai tout pris. Après, les jeux de soirée, si vous faites des jeux de soirée, essayez aussi de respecter vos voisinages. C'est important, vous n'êtes pas obligé de crier comme ça. Après, il est 18h là, pour le coup. En vrai, très bon truc, c'est de prévenir. Si vous avez une soirée, prévenez-les avec un petit mot, ça fait toujours plaisir. Vous les invitez à boire un coup, ils seront heureux. Voilà. N'oubliez pas le mobilier de jardin, retrouvez toutes les infos en description, c'est un bonheur. On va peut-être faire un commentaire épinglé aussi parce qu'il régale quand même. On veut voir vos stories, si vous les faites ou pas, si ces jeux vous inspirent, il y en a peut-être qui vont vous plaire plus que d'autres. C'est facile à faire, tout le monde peut les faire. Amusez-vous avec ça et passez un bel été. Souscrivez à un abonnement.